Rire et chansons, 100% sketch. Toute cette semaine, à 18h, c'est un taquin qui passe quelques minutes avec nous sur Rire et chansons, qui s'appelle Edgar Rive, qui joue au point virgule, entre autres, à Paris, avec Rire et chansons. Monsieur Ed, bonjour. Et bonjour. Et comment il va celui-ci? Il va bien, mon ami. Seb, j'ai une grande, grande nouvelle à t'annoncer. Ah, dès le début, comme ça, vas-y, ouais, vas-y. Écoute, j'ai bien réfléchi, et je ne compte au final ni arrêter, ni baisser ma consommation de viande. D'accord, c'est bien. Je pourrais le faire, mais je ne le ferai pas. Steak power, motherfucker. Ouais, ouais, dans ma tête, il y a un cochon qui tourne comme ça en permanence. Laqué miel et soja. T'es un grand malade. Un grand carnivore, surtout, mon frère. Aussi. Je le vois parce que tu sais, mes parents, ils ont une ferme, ok? Ouais. Et dès que je vais là-bas pour me reposer un peu le week-end, les chèvres me regardent avec appréhension. Ah. On dirait qu'elles sentent, elles sont là. Je dis voilà, c'est le respect qu'on me doit dans la savane, bande de petites putes. Oh, et oh, Ed. Ouais, nickel. Bon, ouais, ça va, ça va. Je me suis peut-être un peu emballé, ouais. Alors, bah oui, attention, par contre, quand on tient un discours pareil, c'est vrai. Parce que moi, ma soirée barbecue, il y avait un vegan. Oh putain. Et là, j'aimerais qu'on débriefe tous ensemble parce que déjà, lui, pourquoi il est venu? C'est quelle partie du concept il a raté, ce connard? Il y a 10 noirs qui ont créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Grillade. Tu crois qu'il va se passer quoi? Une eau de falafel? Attends, j'avoue que t'as carrément raison sur non, ce truc. Non, mais attends, en plus, moi, j'avais fait un barbecue de nigger, mon frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la marinade 48 heures avant. Parce que oh, nous, putain, on déconne pas avec la marinade. Oh, bah ok, j'arrive sur les lieux, 10h02. Pastis numéro 1, 10h03. 15h, j'étais bouilli. Okay, ouais, 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 c'est le stade après bourré, mon frère. J'étais en connexion Wi-Fi direct avec Moïse, ok? J'étais là, alors le coup de la merde, un fond ou un ton? L'autre connard, il vient, il dit, attends, laisse-moi d'abord griller mon tofu avant ta merguez parce que. Putain, on est en vacances. Tu sais quoi, on va griller deux cochons de plus, voilà. Non, on les mange pas, juste on va les griller pour le plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux te battre? Tu manges te fouet, moi de la viande. Qui va gagner à ton avis? Alors attends, du coup, la soirée grillade, elle a fini comment? Bon, ça fait un peu la tronche, hein, ça, ouais, je te cache pas, bah oui. Vu la diatribe dans laquelle je me suis lancé. Ouais. Puis à la fin, je suis quand même allé le voir là pour lui parler. Il s'appelait Patrick. Là, j'écoute Patrick. La seule raison pour laquelle je te traite pas de fils de pute, c'est parce que ce serait incorrect. Mais quand tu verras ta mère, tu lui dira que je pense fort à elle quand même. Certifié carnivore, il n'y a pas de doute, et certifié taquin aussi. C'est le spectacle de Edgar Rive avec Rire et Chansons au point virgule à Paris, et Ed qui revient demain à 18h. Bonne soirée, poto. Bisous, venez, j'ai faim.